fond. Parce que ça aussi, un pauvre qui n'est pas capable d'assumer cette pauvreté. Et derrière, j'ai d'autres personnes qui sont venues me parler de toi. Toi, tu le connais. Chaque mois, pratiquement, je voyage. Uniquement mes voyages, à Dubaï, j'ai dépensé plus de 10 000 dollars pour un mois. Et dis que ce que je suis, tu vois, je ne t'ai même pas dit, c'est ici, même en direct, que je t'ai dit. Il y a d'autres personnes qui sont venues me dire, ok, Justin, Amadou Seck. Et se battre pour s'en sortir ne mérite pas de pitié. Avant Dubaï, j'étais à Abidjan, c'était mois de février. J'étais parti avec mon petit frère Babacar. Uniquement les billets d'avion coûtaient 2 millions. Entre 2021 et 2022, la crypto-monnaie a créé 1 million de crypto-millionnaires. Et d'ici une année, donc en 2024, ces chiffres vont quadrupler. C'est-à-dire qu'on sera à 4 millions de crypto-millionnaires créés par la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec un de ces crypto-millionnaires-là, Amadou Seck. Je ne vais pas parler à son absence, il est là. Je vais le laisser se présenter. J'ai l'habitude sur cette chaîne de vous parler de business, de motivation, de beaucoup de choses qui peut-être pour certains restent théoriques. Mais là, nous sommes sur une série de vidéos où on vous parle des choses concrètes, des choses pratiques, des choses qui vont vous aider à changer votre vie. Et Amadou Seck en est la preuve. Aujourd'hui, 80% de ses activités tournent autour de la crypto-monnaie. Il vient de rentrer fraîchement de Dubaï et je l'ai intercepté ici dans son bureau pour une interview exclusive dans laquelle il va nous partager ses secrets, ce qui le permet aujourd'hui de partir là où il veut, quand il veut et où il veut. Seck, merci beaucoup de te prêter à cet exercice où je vais te poser beaucoup de questions. Je t'avertis déjà parce que les gens veulent savoir comment toi tu fais pour voyager à tout moment, vivre une vie de rêve, une vie que les jeunes Africains vivent. Pourtant, il n'y avait pas longtemps, tu étais un vendeur de journaux dans les rues de Dakar. Tu vendais des œufs, ainsi de suite. Alors, Seck, merci beaucoup d'être là. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter aux personnes qui viennent de te découvrir. Merci, merci Justin. C'est un grand plaisir toujours vraiment de partager avec ta communauté. Et merci, comme vous l'avez dit, je viens juste d'arriver au Sénégal, donc j'étais à Dubaï. Et je pense que d'ici le 15, je repars à Paris donc pour une grande conférence. On aura l'occasion d'en parler. Donc, vous l'avez aussi bien dit. Donc, je n'ai plus besoin de faire des longues présentations. Je peux juste dire, Amadou Seck, crypto trader. Donc, 80%, je peux même dire 90% de mes activités aujourd'hui tournent autour de la crypto-monnaie, du trading. Point. Donc, tout ce que je fais, c'est juste pour ajouter dans mes activités, pour augmenter. Et comme vous le connaissez mieux que moi, la loi de Pareto 80-20, 80% de mes résultats viennent du trading. Donc, tout ce truc que je fais, c'est juste du passe-temps. Apprendre peut-être, mais je suis trader, je suis la crypto-monnaie. Et comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance de faire partie de cette chiffre que tu viens de citer, faire partie de ces 1 million de millionnaires. Aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, modestie à part, je peux dire que je suis millionnaire en dollars grâce à la crypto-monnaie. Très bien. Alors, toi et moi, on se connaît, je te connais depuis longtemps. C'est pour cela que je disais qu'il n'y a pas longtemps, on savait ton passé d'un vendeur ambulant. Mais comment tu es arrivé dans la crypto-monnaie? C'est en 2018-2019. Donc, je me suis commencé à intéresser à tout ce qui tourne autour d'Internet, du web d'une manière générale. À l'époque, je me suis dit que dans l'avenir, si l'Internet, ton ordinateur portable et ton téléphone ne suffisent pas pour gagner de l'argent, tu seras supprimé du marché. Et là, tu peux être toujours témoin. Si je me rappelle très bien, le 4 avril 2019, aux Almadi, j'ai organisé une conférence. C'était le lancement de cinemarché.com. Au Sénégal, pour ceux qui connaissent, il y avait deux grandes télévisions qui est Saint TV et TFM qui étaient venues dans cette conférence qui m'ont demandé pourquoi Cinemarché. Cinemarché, c'est notre plateforme de vente en ligne. Je dis que parce que je suis persuadé que dans l'avenir, si votre téléphone et votre ordinateur ne suffisent pas pour travailler, tu seras supérimé du marché. Là, on ne parlait pas de crypto-monnaie. Donc, je me suis dit que gagner de l'argent aujourd'hui, c'est avec Internet. Et c'est dans ces circonstances qu'on m'a parlé de Bitcoin. Et je me suis dit que certains Africains, souvent, ils sont à terre et ils sont peur de tomber. Je ne sais pas où tu vas encore tomber. Et moi, à l'époque, j'étais dans ces situations. J'étais à terre. Je n'avais plus peur de tomber. Et lorsqu'on m'a parlé de crypto-monnaie, je n'ai pas posé 90 000 questions si ça ne marche pas. J'ai posé une seule question. Mais comment? Si ça marche. Je me suis dit juste, si ça marche, ça peut changer ma vie. Et à partir de là, la question vient comment? Et on m'a dit, voilà, il y a ce qu'on appelle blockchain. Tu mets X montant. À l'époque, j'avais un multi-service que je gagnais 5 000, 10 000 par jour. Et je pensais que c'est la fin du monde. Au Sénégal,
en connaissant mon passé, qui vendeur de journaux, vendeur de sachets plastiques, quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'école française, moi, travailler dans une entreprise, j'étais déjà exclu parce que je n'ai pas de diplôme. Et en connaissant le Sénégal, gagner 5 000, 10 000, pour moi, c'était la fin du monde. Et on m'a parlé de la crypto-monnaie et Bitcoin. Donc, acheter. Et je me suis dit que je n'ai rien à perdre. Et si ça marche? Et j'ai ouvert mon compte blockchain à l'époque. Et j'ai mis à l'époque, je ne vais jamais oublier, 160 000. 3 mois, 4 mois, 6 mois, le chiffre, cette montant s'est multiplié presque à 3. Je me suis dit que je travaille dans une multiservice pendant un an. Ce que cette montant, ce gain, la crypto-monnaie m'a rapporté, le multiservice ne peut pas me rapporter ça. Donc, il faut que je creuse pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Et à partir de là, je n'ai jamais arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à faire 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $ par mois grâce à la crypto-monnaie. Comme vous l'avez dit, je n'ai plus de problème. L'une de mes plus grands rêves à l'époque, c'était de voyager. C'est pourquoi lorsque j'ai créé mon entreprise Vision d'Afrique, j'avais rien du tout, mais j'ai intitulé le nom de l'entreprise Vision d'Afrique parce que mon objectif, c'est un jour d'être partout en Afrique. Aujourd'hui, je ne dis pas être partout en Afrique, mais c'est d'être partout dans le monde qui est mon souhait et je suis en train de le réaliser grâce à la crypto-monnaie. Ah oui, ah oui. Donc toi, en deux mots, c'est-à-dire que tu avais compris que Internet allait être le futur du monde. Exactement. Et secondo, en t'y plongeant, tu as découvert la crypto-monnaie et tu as creusé. Exactement. Je n'ai jamais arrêté. J'ai fait première formation, je me rappelle très bien, c'était 200 000. Après la formation, j'étais très content, mais je ne savais même pas comment créer mon compte. Tu vois? Et je me suis dit que oui. J'ai fait une formation 200 000. Après la formation, c'était les analyses, c'était les B.A.B.A., etc., etc. J'étais très content quand même parce que ça m'a donné encore plus d'amour, d'engouement, d'envie dans cet univers. Je me suis dit que vraiment ce que je cherche, il est ici. Donc, je vais continuer à creuser. Et j'ai continué. J'ai fait d'autres formations jusqu'à 2020. Boum, ça explose à mon niveau. Je commence à faire beaucoup d'argent. Fin 2021, on était ensemble. Donc, comme vous l'avez dit, on était parti à Dubaï pour se former, pour mieux connaître. On n'est pas parti parce que, voilà, parce que la crypto-monnaie commençait à payer. Donc, depuis lors, je dis que je dors jamais sans gagner de l'argent avec la crypto-monnaie. Ah oui, tu viens de dire quelque chose qui est très, très important. Tu dis que tu t'es beaucoup formé. Exactement. Mais beaucoup de ces formations ne marchaient pas. Pour d'autres, c'était bien quand même, mais ça ne te donnait pas ce que je voulais. Mais il y a le dernier mot. C'est-à-dire qu'en 2020, ça a payé. Ouais. C'est-à-dire qu'à force de creuser, parce que, en fait, c'est comme si tu as plusieurs trous à creuser. Tu creuses ici, tu vas jusqu'au fond, il n'y a rien. Ouais. Tu creuses là-bas jusqu'au fond, il n'y a rien. Tu creuses là-bas jusqu'au fond, il n'y a rien. Mais un jour, ça paye. Tu vas creuser sur un. Ouais. C'est en 2020 que je ne connaissais même pas ce qu'on appelle le halving. C'est pourquoi je me casse la tête aujourd'hui pour que les gens se relancent à fond pour ne pas rater le halving de 2024. Parce que moi, en 2018-2019, j'ai déjà raté le halving de 2016. Mais lorsque je me suis lancé, je continue à creuser. Jusqu'à 2020, c'était le halving de 2020. Je ne savais même pas. Nous, on savait. Nous. Voilà. On ne savait pas c'est quoi le halving. Mais on est rentré dans le halving. Et l'halving est arrivé. Voilà. Les cryptos. Première crypto qui a explosé en début 2020. Après le halving, surtout, c'était Dogecoin. Dogecoin. Dogecoin a explosé. On a gagné pas mal. Et à partir de là, on sait que vraiment. La motivation a augmenté. Et on a investi sur pas mal de crypto-monnaies. Et je me rappelle très bien maintenant, avant 2021. Franchement, ce que j'ai gagné sur la crypto-monnaie, sur ces deux dernières années, il y a des dizaines de fonctionnaires qui ont travaillé 60 ans. Quand vous réunissez tous ceux qui sont gagnés, ce n'est même pas le tiers de ce que j'ai gagné sur le marché sur ces deux dernières années, grâce après le halving. Donc, voilà, je n'ai jamais arrêté maintenant d'apprendre. J'ai acheté beaucoup de livres, j'ai acheté beaucoup de formations. Aujourd'hui, j'ai un programme de formation. Chaque mois, j'achète une formation qui parle de la crypto-monnaie, qui parle de business en ligne. J'achète des livres et toute mon équipe est en train de s'auto-former quotidiennement. Et notre objectif, c'est de transmettre ces informations. Si je lance ma page YouTube Entreprendre Autrement et donner des vidéos sur la crypto-monnaie, vous savez, c'est pourquoi? Parce que j'ai ramasser beaucoup de formations. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de jeunes. Moi, que j'ai pitié envers ces jeunes. Je veux que ces jeunes-là deviennent plus que moi. Ils sont plus intelligents que moi. Ils sont plus instruits que moi. Sauf qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir de bonnes formations. Et je me suis dit que ce que... Je ne dirais pas mauvaise formation parce qu'il n'y a pas mauvaise formation. Non, non, non. Mais les formations des B.A.B.A. là, ils n'ont pas besoin de l'acheter. Je vais le faire gratuit sur ma page YouTube. Il y a beaucoup d'institutions qui m'ont appelé au début pour me dire « Pourquoi tu dis tout ça gratuitement ?» Je dis parce que je pense que ces éléments-là ne méritent pas d'être acheté. Exactement. Et à partir de là, ma page, je suis très content. Les gens m'appellent pour dire « Grâce à vos vidéos, je connais
c'est quoi Binance. Grâce à vos vidéos, je sais comment créer un compte. Grâce à vos vidéos, je connais quoi CoinMarketCap. C'est un bon départ, mais il y a énormément, énormément d'éléments aussi à apprendre que je ne peux pas tout partager. Donc, c'est pourquoi j'accompagne beaucoup de personnes, de leur permettre de devenir meilleur que moi. Moi, toutes les personnes qui ont passé par moi, aujourd'hui, je le dis avec modestie, hein, 80% des gens qui parlent sur la toile de la crypto-monnaie, sur la francophonie, sont passés par moi. Ou ils sont passés par Vision d'Afrique. 80%. Tu peux citer qui tu veux. Donc, et je me suis dit que, mais ça n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Par, si des millions de personnes, on a une dizaine, cinquantaine, centaine, mille personnes qui sont réussies à devenir ce qu'ils sont devenus, je me suis dit que ce n'est pas du tout normal. Et sans avec moi, je le dis au nom de Vision d'Afrique, mais sans Vision d'Afrique, il y a Vera, Vision Vivre et Réussir en Afrique, qui fait un travail extraordinaire. Il y a d'autres. Mais lancez-vous sur la crypto-monnaie. Il n'y a pas un secteur plus rentable, plus prometteur, plus rapide que la crypto-monnaie aujourd'hui pour sortir les Africains dans la pauvreté. Quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la pauvreté, quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la galère, quelqu'un qui n'a jamais... Moi, j'ai dormi dans une seule pièce avec ma mère, mon frère et ma petite sœur. Dans une seule pièce ici à Dakar. Je ne te parle pas de quelqu'un qui date des siècles. Je te parle de quelqu'un qui date en moyenne de 5 ans. Et donc, moi, je ne peux pas voir maintenant des gens qui vivent de ces situations. Il n'y a personne qui est mieux placé pour moi de savoir les difficultés que ces personnes sont en train de rencontrer. Et mon seul et unique souhait aujourd'hui, c'est de leur voir sortir dans ce trou. Et c'est possible. Et j'ai dit quelque chose, j'ai écouté l'une des citations ou bien truc de Thomas Sankara qui disait « Un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. » Quand il parle de ça, je me suis dit que c'est fort, c'est profond. Parce que ça aussi, un pauvre qui n'est pas capable d'assumer cette pauvreté et se battre pour s'en sortir ne mérite pas de pitié. Moi, je n'ai jamais... C'était difficile pour moi, mais il n'y a personne. Il n'y aura jamais quelqu'un qui va sortir nulle part, ni à la télé, ni à la radio, pour dire que c'est qui était venu chez moi un jour pour se plaindre. J'ai toujours cru en moi en disant que je ne sais pas comment, mais je vais s'en sortir. Et c'est avec ça, en creusant gauche à droite, j'ai découvert la crypto-monnaie et la manière dont la crypto-monnaie a bouleversé, je ne dis pas changé, bouleversé ma vie, c'est exactement avec certitude, avec sincérité que je souhaite à tous les Africains. Merci beaucoup, Sek. Vraiment là, on voit que tu parles vraiment avec le cœur et c'est comme ça également dans toutes tes formations. Et je vais te raconter une histoire. Je ne t'ai jamais dit, mais je te le dis ici. Il y avait des personnes qui m'ont dit, hein, qui m'ont contacté sur Internet pour me parler de Amadou Sek. Ils ne savaient même pas que toi et moi, on se connaît. Et on m'a parlé de toi. Et devine de quoi on m'a parlé. C'était pour me dire que voilà, Justin, Amadou Sek est en train d'ouvrir les yeux des Africains sur la crypto-monnaie. Et toi-même, tu ne sais pas ça. Tu ne sais même pas de qui il s'agit. La personne est au Congo. Tu vois un peu. Donc, je t'ai dit que toi, ce que j'aime chez toi, tu parles avec le cœur. Et c'est avec toute sincérité que tu parles. Même dans tes formations, tu donnes tout ce que tu connais. Et même des formations gratuites. Dans les formations gratuites, il suffit d'aller sur ta chaîne « Entreprendre autrement ». Pour voir que beaucoup de ces choses que tu partages là-bas, c'est avec bon cœur, gratuitement. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et tout à l'heure, tu étais en train de dire quelque chose de très important. Tu parlais du Alvin. Alvin, en fait, bon, je vais te laisser nous développer. Alvin, en fait, on l'a vécu et ça a beaucoup, ça a grandement boosté notre motivation, surtout en septembre de 2021, quand on a vu, déjà en février, on a vu l'explosion de Dogecoin, qu'on avait quelques pièces. Après, là où ça a complètement changé, c'était Shiba. Shiba, l'explosion de Shiba en septembre de 2021. Et juste un peu après, il y avait d'autres petites crypto-monnaies également. Donc, nous, depuis là, notre motivation n'a pas chuté et on attendait ça, 2024, parce qu'à l'époque, nous, c'était encore avec très peu de conscience qu'on avait investi dans certaines de ces cryptos-là. Toi, maintenant, tu as pour objectif vraiment de dévoiler ces secrets pour 2024 aux jeunes. Exactement. Alors, tu peux en parler un peu du halving à ceux qui nous suivent. Exactement. Le halving, c'est, pour résumer, je peux vous dire qu'il y a des cycles sur le marché boursier.
Le marché boursier existe depuis l'Antiquité, depuis des siècles, mais le marché du trading de la crypto-monnaie, qui est l'une des filières du marché boursier, existe depuis 2008. De 2008 à 2020, il y a quatre cycles du marché, ou trois cycles du marché. C'était 2008 à 2012. Et chaque cycle, il y a des milliers de personnes qui deviennent millionnaires. Je dis des milliers de personnes. Donc, je peux vous dire que le Bitcoin a quitté 1 dollar, moins de 1 dollar à 1000 dollars sur le premier cycle de 2008 à 2012. De 2012 à 2016, il a quitté de 1000 dollars à 19 000 dollars. Donc, sur chaque cycle, il y a des milliers de personnes qui deviennent millionnaires. De 2016 maintenant à 2020, il a quitté, notez bien, 19 000 dollars à 69 000 dollars. C'est-à-dire qu'on a quitté de quelque chose qui coûtait 10 millions à plus de 50 millions de francs CFA. On n'a jamais vu un marché qui évolue à ce rythme-là. Donc, depuis lors, comme on aime bien le dire, le marché du trading, d'une manière générale, se repose sur le passé pour prédire son avenir. Le marché boursier, c'est quelque chose qui repose sur le passé, que ce soit les obligations, les indices, que ce soit les actions, peu importe, les analyses techniques, c'est des choses qui reposent sur le passé pour prédire l'avenir. Et quand on prend maintenant le passé du marché boursier, la crypto-monnaie, chaque halving, il y a cette bull run qui va se produire sur le marché. Et toutes les personnes, 90% des gens qui sont sur le marché, vont devenir vraiment immensément riches grâce au trading. Et je me suis dit que le marché du trading de la crypto-monnaie, c'est l'un des rares marchés qui ne donne plus d'excuses à qui que ce soit, africain, japonais, américain, français, chinois, tout le monde. Et dans le même, nous sommes tous dans le même pied d'égalité. Il n'y a plus de dire oui parce que je suis noir, oui parce que je suis blanc. Non, vous achetez un bitcoin, un américain qui achète un bitcoin, ça explose après le halving, vous avez le même montant. Vous vous retrouvez à Dubaï, la même chose que cet américain peut acheter, c'est la même chose que tu peux acheter. Et moi, je me suis donné comme objectif, c'est d'aider le maximum d'Africains de ne pas rater cette opportunité. Parce que c'est une opportunité en or. Et rater cette opportunité, c'est de revenir encore se plaindre pour dire oui, comment ça s'est passé. C'est pourquoi tu vois, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, à l'université Antonio, j'ai organisé une conférence. Après la conférence, je dis, voilà, moi, je ne suis pas plus intelligent que vous. Vous êtes des étudiants, vous êtes bien instruits. Moi, je ne suis pas étudiant, nanani, nanana. Un professeur m'a appelé pour me dire, c'est que tu as quelque chose que ces personnes n'ont pas. Un idiot qui passe tout son temps à passer à l'action, à saisir des opportunités, a un million de fois de chances de réussir qu'un sage ou génie qui ne passe jamais qui à l'action. Fait rien. Et sur ce, je me suis rendu compte, après la conférence, il y a des gens qui me disent, mais pourtant, c'est que moi, depuis 2008, depuis 2009, comment parler de Bitcoin? On t'a parlé de Bitcoin depuis 2009, mais t'as rien fait. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. C'est moi qui est rentré en 2019, aujourd'hui, je peux me permettre de faire ce que j'ai en train de faire. Je le dis, je le répète, ce n'est pas parce que je suis intelligent. Je le dis, je le répète, ce n'est pas parce que je suis un génie. Je le dis, je le répète, c'est juste parce que j'ai eu la foi. Et c'était quelqu'un vraiment curieux de vouloir changer ma vie. Et je me suis lancé dans ce secteur d'activité. Je peux vous dire que juste ce que j'ai en train de réaliser, modestie à part, si ce n'était pas la crypto-monnaie, il faut travailler pendant 50 ans pour le faire. Juste mes dépenses quotidiennes dépensent 5 millions. Chaque mois, je dépense plus de 5 millions. Quand je le dis, certaines personnes ne vont pas croire. Toi, tu le connais. Chaque mois, pratiquement, je voyage. Uniquement mes voyages, à Dubaï, j'ai dépensé plus de 10 000 dollars pour un mois. Avant Dubaï, j'étais à Abidjan. C'était le mois de février. J'étais parti avec mon petit frère Babacar. Uniquement les billets d'avion coûtaient 2 millions. On ne dit pas que ça marche ou pas. Je n'ai pas un banque où j'allais jeter de l'argent. Non. Tout ce que je dépense, tout ce que je fais, ça vient de la crypto-monnaie. Sur deux choses, le holding et le trading actif. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a l'une des meilleures équipes. L'une des meilleures équipes. Je regarde partout dans le monde où il y a des meilleurs traders, on essaye de s'associer pour accompagner les gens, des Camerounais, les gens qui vivent, des Togolais, qui vivent à Dubaï. Et c'est dans ce sens même que j'ai fait appel à vivre et réussir en Afrique. J'ai regardé vos formations et uniquement votre formation, ça suffit largement pour aider quelqu'un de devenir meilleur dans le domaine du trading. Mais je me suis dit, pourquoi pas ne pas réunir nos forces pour faire quelque chose. Mon objectif vraiment personnel, c'est que minimum 1000 personnes ouvrent leur bouche d'ici 2024 de dire grâce à vous, je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Ça, je le parle avec sincérité, avec cœur. Et toute personne qui s'engage sur cette voie-là, je suis sûr qu'il n'y a pas une époque plus facile à devenir millionnaire que l'époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
avec le trading, avec la crypto-monnaie. Si on était en 1950 ou 1960, Mark Zuckerberg, peu importe son intelligence, il lui faut plus de 50 ans pour arriver là où il est. Mais en moins de 5 ans, il fait partie des 10 personnes les plus riches au monde. Donc chacun d'entre nous a sa place sur le marché. Tu sais, c'est quand moi je fais des interviews avec des gens sur ma chaîne, je les interromps souvent. Je dis que quand ils parlent un peu, j'essaie de couper et ainsi de suite. Mais toi, tu vois, depuis quand tu parles, elle dit que c'est même pas moi. Parce que si je t'interromps, ceux qui suivent, elle dit, mais Justin, il faut le laisser parler. Parce que, non, je suis sérieux. Ce que tu dis, c'est tellement avec sincérité, avec un cœur ouvert. Et ce que tu dis, on sent vraiment ta détermination dedans. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de très, très apprécié. Moi, je vous le dis, ce que c'est qu'il dit, je n'ai rien à ajouter. Nous, on a voyagé, on était partout, on a rencontré des gens très riches. Mais en fait, en réalité, on n'a plus ce complexe d'être en face d'un multimillionnaire, d'un milliardaire. Il n'y a plus ce complexe. La crypto-monnaie a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Exactement. On gagne de l'argent. Ce qu'on a, $1 en Afrique, c'est $1 partout. Un USDT ici, ainsi de suite. Mais tu as dit également quelque chose de très, très important ici. Et deux d'ailleurs. Donc, je vais revenir dessus rapidement pour ne pas également étirer la vidéo en longueur. Une annonce sera faite juste après ces deux questions. Tu as dit que le holding et le trading actif sont les deux leviers de l'enrichissement dans les crypto-monnaies. Alors, pour des personnes qui sont en train de suivre ici, en une minute, c'est quoi le holding? C'est quoi le trading actif? Et comment le faire? Alors, le trading, le holding, c'est juste moi, comme j'aime bien simplifier, c'est le stocker. Achetez certaines crypto-monnaies et les garder sur vos portefeuilles. Par contre, il y a des critères de base pour acheter. On ne vient pas sur le marché pour acheter des cryptos. Il y a des critères de base. Quels sont les critères qu'on a utilisés pour acheter Shiba Inu? Quels sont les critères qu'on avait utilisés pour acheter Solana? Je me rappelle très bien, lorsque j'ai acheté Solana, beaucoup de personnes ne croyaient pas à Solana. Et en 8 mois, j'ai réussi à gagner plus de $45,000 avec Solana. Donc, aujourd'hui aussi, il y a des critères de base pour acheter des cryptos et garder. Mais pour être simple, le holding, c'est d'acheter des cryptos et les garder. Donc, sous nos différents accompagnements, on explique les gens quels sont les critères. Je peux vous donner, c'est-à-dire que le nombre de pièces de cette crypto-monnaie. Est-ce qu'il y a, des gens qui achètent des crypto-monnaies sans comprendre le nombre de supplies de cette crypto-monnaie et le nombre de pièces en circulation? Parce qu'il y a, plusieurs critères. Donc, il faut connaître ça. Il y a beaucoup de critères, mais pour vous donner, il y a le supply. Est-ce que cette crypto-monnaie est un token ou un coin? Donc, tout ça, c'est des éléments aussi de base que la personne doit connaître. Ça va vous permettre de savoir, est-ce que cette crypto-monnaie a sa propre blockchain ou bien il est logé sur quelle blockchain? Est-ce que si la blockchain sur laquelle il est logé, si cette crypto-monnaie ou ces crypto-monnaies en train de monter, il peut le tirer? Ou bien ces cryptos, il y a beaucoup de critères. Mais ce que je peux vous dire, le holding, c'est acheter des cryptos après avoir fait... Regardez ces critères. On n'achète pas aveuglément. Exactement. Et vous gardez sur vos portefeuilles. Je vous dis que vous ne pouvez pas acheter 5 ou 10 cryptos qu'on peut suggérer sur nos formations. Et 2024, vous restez comme sans rien dire. Ça, ce n'est pas possible. Et ça, c'est une des choses que ce soit dans ma formation, dans nos formations, dans ta formation également. Parce que l'annonce que je vais faire, ça va être tout à l'heure, restez connectés. C'est que si vous voyez la vie de Sec, vous voyez Justin, vous voyez les voyages qu'on fait, les réalisations qu'on fait, ce n'est pas tout qu'on vient de dire sur Internet ici, mais ceux qui sont proches de nous voient un peu ce qu'on fait. Nous, on le fait ensemble. Exactement. C'est-à-dire que vous voyez ce que nous, on achète, on vous dit, nous, on achetait ça. Exactement. On a fait nos analyses pour nous-mêmes, pour des tokens, des cryptos, des ICO que nous-mêmes, on a achetés. Et on vous dit de faire la même chose. Si ça explose, ça explose pour nous tous. Ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose, on va vous dire. Inventer, acheter. Je dis souvent dans mes vidéos, Justin, si quelqu'un vous dit, si vous regardez quelqu'un qui gagne de l'argent et vous allez le voir, il vous dit, si vous faites ça, et vous regardez lui, il n'est pas en train de faire ça, c'est un manipulateur. Ouais. Et nous, avec sincérité, avec transparence, on ne cherche pas à dire faire des choses qu'on ne connaît pas. On dit de faire ce qu'on est en train de faire de la manière la plus transparente qu'on le fait nous aussi. Mes cryptos qu'on achète, etc. On dit les gens, voici. Souvent même dans certains groupes, je fais capture d'écran de mon propre portefeuille, je l'envoie.
pour que la personne, il n'a pas besoin de se casser la tête. Il va regarder ce que j'achète, il l'achète. Il l'achète. Donc, c'est-à-dire que si ça ne marche pas pour toi, ne te... ça veut dire que ça ne marche pas pour moi. Ouais, ouais. Et moi, aujourd'hui, je pense que je ne vais pas acheter 2, 3, 5 crypto-monnaies qui vont pas marcher. Non. Là, elle dit que le taux d'échec est minime. Voilà. D'ailleurs, c'est pour cela que nous, on achète beaucoup de formations, on des livres, ainsi de suite, pour réduire notre taux d'échec. Exactement. Parce que la connaissance réduit le taux d'échec. Exactement. Et deuxième chose, c'est le trading actif. Le trading actif. C'est ça qui me permet de payer la location, de me permettre de payer les voyages, qui me permet de vivre jour le jour. La différence entre le holding et le trading actif, c'est quoi? Le holding, ça te permet du jour au lendemain, ça peut être le mois prochain, la semaine prochaine, de sortir avec 1 000 $, 5 000 $, 10 000 $. Il y a X crypto-monnaie qui a quitté de temps en temps avec les stratégies qu'on... On n'a pas le temps de tout développer, mais les stratégies des listings des crypto-monnaies, etc., etc. Mais le trading actif me permet maintenant, avec 2 000 $, avec toutes mes compétences, entrer sur le marché, faire des bonnes analyses et ensuite prendre une position. Mon objectif, c'est de faire un dip à 10% par jour. 1 000 $ avec effet de levier fois 2 ou fois 5, ça me fait presque 5 000 à 10 000 $. 2%, ça me fait presque 1 000 $. Ça suffit largement dans la journée. Donc, c'est exactement ce que j'utilise. Et je dis souvent, toutes les personnes qui veulent vraiment maîtriser le marché, il faut se former, la patience et l'exercice, c'est-à-dire que l'entraînement sur le marché. Comme vous l'avez dit, c'est depuis 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui, je suis sur le marché. Il suffit juste de regarder le marché, de prendre position. Bien sûr. Il suffit juste de regarder... Il y a une expérience, en fait. Il y a une expérience, en fait. De prendre position avec les effets de levier, les stop-loss, les take-profits, les RSI, les moyens mobiles, les retracements Fibonacci. Il y a énormément. Et c'est ça que j'utilise pour prendre position sur le marché. C'est ça qu'on appelle le trading actif que je fais quotidiennement. Et il y avait une autre méthode qui me permettait de gagner beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, avec manque de temps que je ne le gère plus, ça continue à fonctionner au niveau de Vision d'Afrique. Mais je l'ai délégué à mon petit frère Babacar, qui est la revente des USDT, oui, qui est aussi un acheter business et vente des avec USDT. Des différences de 10 francs. Voilà, 5 francs 5 même, francs. Souvent. Mais souvent, comme on achète 10 000 $ de USDT, exactement, parfois 50 000 $ de USDT, même si tu gagnes 10 5, francs, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Donc ça aussi, Babacar gère cette partie. Mais moi, personnellement, je cherche les deux parties-là, le holding. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se forment dans ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui forment également d'autres dans le holding et ainsi de suite. Mais quelle est la vraie différence qui fait perdre ces gens qui sont formés déjà même? Tu sais, ce n'est pas pour dénigrer quoi que ce soit. Je n'ai pas cette intention. Et je n'ai pas l'habitude de parler d'autres. Je vous avais dit que je fais beaucoup de formations et ça m'a révolté de créer ma page YouTube pour faire des vidéos sur YouTube pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne méritent même pas d'être enseignées, d'être achetées. Je vous dis ça. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont limitées sur ça et se prétendent être l'expert du marché. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller au bout. Je vous avais dit que j'ai creusé plusieurs fois. Donc, il faut rencontrer des bonnes personnes. Ça, c'est une sens. Il faut être bien formé, encadré. Et au-delà de ça, être patient et des gens qui vont t'accompagner. Il y a beaucoup de formations en trading, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Et les gens aussi, avec les gens qui aiment la facilité, quand on te dit formation trading 50 000, 30 000. Si tu le fais, tu es en train de céder ton argent, tu ne vas rien apprendre. Je te le dis au départ. Il y a les ventes des signaux. Ce que je déteste sur le prix, c'est les ventes des signaux, c'est le copy trading. C'est-à-dire que comment quelqu'un peut prendre position sur mes positions? Tu ne sais pas mon capital. À quelle heure? À quelle heure que je prends position? Tu ne sais pas mes stop-loss, mes take-profits. Parce que tu ne peux pas prendre les mêmes take-profits que moi, les mêmes stop-loss que moi. Parce qu'on n'a pas le même capital. Vous n'avez pas les mêmes forces en fait. Et à partir de là, toi, tu te... C'est-à-dire que souvent, quand j'aime bien mes compatriotes africains, je dis que certains Africains aiment être bêtes. Être pigeon. Parce qu'on te dit paye 50 $ ou 100 $ pour on te donne des signaux. Mm-hmm. Tu payes 100 $ chaque mois pendant 4 mois, tu n'as jamais gagné. Si tu es honnête envers toi-même, tu sais que tu n'as jamais gagné. Mm-hmm. Et si tu prends 100 $ multiplié par 5, c'est 500 $. Mm-hmm. Tu pouvais acheter une bonne formation. Toi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent acheter même vêtements, acheter un vêtement de 300, 1000 francs. Mais chaque jour, ils vont acheter. Au lieu d'acheter un bon vêtement à 100 $, et c'est pour un an. Donc ça aussi, c'est la même chose sur le marché. Donc il faut... C'est-à-dire que la vente des signaux, c'est comme un gars qui s'est déjà entraîné, qui soulève 50 kilos ou bien 200 kilos, et puis il te dit que non, va soulever toi aussi. Alors que toi... Tu n'as pas le même... Tu n'as même pas le même gabarit que...
Non, c'est vraiment... Donc, toi, ce que tu recommandes, c'est de se bien se former, d'être encadré et d'être suivi. Je vous dis une chose, juste. Tu ne pourras jamais devenir millionnaire sur le trading si vous ne fréquentez pas les gens qui sont déjà millionnaires sur le trading. Non, il y a des codes. Tu ne pourras jamais payer une formation de 10 millions, c'est ton affaire. Si la personne n'est pas millionnaire sur le trading, tu ne pourras jamais devenir millionnaire. Si la personne qui te dit, voilà, il va t'accompagner, s'il ne gagne pas de l'argent sur le marché, et quelqu'un qui gagne aujourd'hui de l'argent sur le marché, il n'a pas besoin de le dire. On est dans un monde où c'est les actions qui parlent. Tu n'as pas besoin de dire, oui, je gagne de l'argent, et tu prends vélo pour venir chez moi. Ce n'est rien contre les gens qui prennent vélo, mais il faut avoir l'humilité de dire votre niveau. Tu prends vélo pour venir me voir, et là, tu dis que oui, j'ai garé ma voiture à l'autre côté. Mon cher ami, soyons sérieux. Pourtant, tu as des parkings devant chez moi ici. Avec des... Là, il y a des caméras de surveillance. Je te vois avec ton vélo. Et tu me dis que j'ai garé à côté. Donc, je n'ai rien contre personne. Mm-hmm. Mais je vous dis, il faut que les gens soient sérieux. Mm-hmm. C'est le minimum, quoi. Il faut avoir un minimum de respect. Mm-hmm. De dire les gens la vérité. Mm-hmm. Je ne te dis pas que si tu viens chez moi, aujourd'hui, tu deviens millionnaire. Hein. Non. Si c'est ça, ne viens pas. Mais je te dis que je te partage avec sincérité, avec transparence, ce que je connais. Et quand vous faites, on n'a pas besoin d'être messie. Copier juste, on n'est pas dans le monde où on va inventer. Le jour où tu vas comprendre que tu n'es pas un inventeur aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, mon cher ami. Tout ce que, ferme-toi dans une chambre pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, mm-hmm. et vous sortez, vous dites que tu as bien réfléchi, voici le projet. Tapez ça sur YouTube. Quelqu'un l'a dit. Il y a au moins... 1000 personnes, 1 million de personnes non, qui ont fait la chose. Non, ce que tu dis là, c'est la même chose. Elle dit que j'étais dedans, je me suis dit que bon, voici les business que je vais lancer. Tu viens, tu tapes l'idée de business là, tu viens, tu tapes sur Google. Il y a des millions de personnes qui ont fait la chose. Non, ça dit que ces business ont été lancés en 2004. Ça dit que les mêmes business que toi, tu as réfléchi de ça aujourd'hui là. Les gars, donc ça dit que viens voir ceux qui le font. Tu sais, on te dit la même chose, tu le copies et ça va marcher. Ça va marcher. Et derrière, c'est même pour ça que moi, je suis venu te voir. Je veux qu'on lance un programme de formation. Moi, vraiment, je vois les résultats. Et derrière, c'est d'autres personnes qui sont venues me parler de toi. Et dit que ce que je suis... Tu vois, je n'étais même pas dit, c'est ici, même en direct, que je t'ai dit. Mm-hmm. Il y a d'autres personnes qui sont venues me dire, OK, Justin, Amadou Seck, vraiment, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il aide beaucoup de personnes. Je suis venu te dire que, OK, c'est que dans ma communauté également, il y a des personnes que j'ai formées en crypto-monnaie qui aujourd'hui également, pour certains, ils voyagent ainsi de suite. Il y a des résultats qui sont là. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle sur la base des résultats. Je veux qu'on mette ensemble nos équipes. C'est-à-dire que tu as une équipe, mm-hmm. j'ai également une équipe, tu as ton expérience, j'ai mon expérience, qu'on mette tout ça ensemble mm-hmm. et on essaye d'atteindre des sommets, qu'on essaye d'aller encore plus haut. Donc, avec l'Afrique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Non, c'est ça. Je pense que ça doit être une obligation. Parce qu'on est dans le monde où aujourd'hui, il faut ce qu'on appelle le cerveau collectif. On met nos énergies ensemble, nos forces ensemble. Comme vous l'avez dit, voilà, vous aussi, vraiment, tout le monde fait des témoignages. Et ce n'est pas besoin, ce n'est pas parce que vous êtes là. Il suffit juste de taper. La communauté qui te suit le savent très bien. Et les accompagnements, je l'ai dit la semaine dernière à Dubaï, j'ai parlé avec l'une de tes étudiants qui s'appelle Jean, qui a plus de, je pense, 20 000 abonnés sur YouTube, qui m'a beaucoup parlé de toi et tout. Et je pense que si on met ensemble nos énergies, nos formations, on pourra atteindre vraiment certains objectifs et aider pas mal de personnes. Et comme je l'ai dit, ce ne sera pas normal que 2024, des jeunes qui nous suivent aujourd'hui, continuent à vivre dans le galère en 2024. Si c'est le cas, on pourra dire que nous, ce n'est plus notre responsabilité ou notre faute. On vous a donné tout. Et ça, je pense que si on met ensemble nos formations, je suis convaincu que ça va sauver la vie de beaucoup de personnes. Et merci. Je pense que c'est avec un grand plaisir. Ça, c'est un accord de principe. Exactement. Je ne sais pas, ça va être quand. Ça va être quand. Non, je pense que notre prochaine, ce qu'on peut faire, parce que nous, à Vision d'Afrique, on avait une méthode, chaque trimestre, on a une vague de formation. Là où je parle, le vague de formation qui va venir, ça va finir avant la fin de ce mois. Le mois de juin. Donc, je pense que cette vague de formation que nous allons faire ensemble, ça va débuter le maximum le 15 juillet. En juillet, donc, vous avez le 15 juillet. Vous avez une vague de formation qui va démarrer le 15 juillet.
Et là, on va s'associer. Donc, dans à peu près un mois. Voilà. Les inscriptions sont même en cours. Les inscriptions ont commencé même. Oui, parce que nous, on avait l'habitude de les inscriptions pour la prochaine vague ont commencé. Oui. Donc aujourd'hui, toute personne qui veut s'inscrire, peut-être vous pouvez donner les numéros, on verra nos numéros. Et les gens vont s'inscrire. Donc nous allons démarrer au plus tard le 15 juillet. Non, c'est-à-dire que pour que ça soit vraiment dans la plus grande transparence, pendant qu'on est en train de dire ça, on va mettre des numéros. Exactement. On va mettre des numéros pour ici. S'inscrire. Le numéro de Vision d'Afrique, donc le numéro de... directement. Si vous contactez, je vais vous donner un numéro sur lequel quelqu'un qui est inscrit sur ce numéro, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques aujourd'hui sur le marché. Ouais, ouais. Les gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont aller copier, mettre des numéros. Donc le numéro, ça va être peut-être votre numéro. Moi, je vais vous donner mon numéro personnel. D'ailleurs, quand on met dans la description, ils ne peuvent pas copier. Voilà, sur la description. Sur la vidéo, ils peuvent télécharger la vidéo et couper, mettre un autre numéro. Exactement. Mais là, on va mettre dans la description. Ok, nos numéros. Personne ne peut. Numéro WhatsApp, moi, quand quelqu'un envoie un message sur WhatsApp, je te réponds directement ou bien je envoie à Aminata. C'est ma secrétaire, elle va répondre directement. On va vous donner plus d'informations. Mais ce qui est sûr, nous allons mettre ensemble ce programme. Je pense que ça va être l'un des plus grands programmes de formation. Non, ça va être... C'est-à-dire que là, moi aussi, j'aurai un mois pour préparer ça. Ouais. J'aurai aussi un mois avec mes équipes pour préparer cette formation-là. C'est-à-dire que revoir toutes les stratégies, les adapter, parce que les derniers voyages également, quand on voyage, c'est pour se former et découvrir également. Donc, tout ça également, on va tout mettre ça dans un nouveau programme d'accompagnement de 3 mois. Exactement. Ce que je peux vous rajouter sur ça aussi, c'est quoi? C'est que, comme vous avez votre équipe, moi, j'ai mon équipe, Vision d'Afrique, et ma communauté, peut-être il y aura une ou deux personnes qui vont tomber et qui vont dire que ah, c'est que j'aurais bien aimé aussi à bénéficier de l'expérience de Zoustet. J'ai l'habitude de dire à ma communauté, vraiment, ce n'est pas une communauté, mais c'est une famille. Je pense que ça, on peut le faire ensemble. Toute personne qui a eu à bénéficier sur l'une de mes formations, qui envoie les preuves qu'il a bénéficié de mes formations, ou toi aussi, quelqu'un qui a eu à déjà bénéficier de tes formations, sous cette formation qui veut suivre tes formations. Voilà, ce programme en Komala, cette personne n'aura que 50%. Il ne pourra payer que 50%. Parce que je dis que si moi, en un mot, c'est quoi? Des personnes qui ont suivi déjà ma formation. Oui. Et qui veulent aller découvrir d'autres stratégies que qu'on va mettre ensemble. Elle dit qu'en plus de nouveaux programmes, de mon nouveau programme, plus le nouveau programme de SEC, il n'aura pas à payer l'intégralité de cette somme. Oui, c'est parce que la formation, je pense qu'on a discuté. Et j'étais en train de travailler avec mon équipe. Je pense que nous, notre formation, c'était 419 000. Et 419 000. Toi, ta formation, c'est 500 $. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas demander les gens de payer les deux formations. Les deux formations, non. Quelqu'un qui entre sur ce programme avec 419 000, qui est 600 $, quelque chose comme ça, on va mettre tout ça en écrit, vous allez voir, il aura accès à toutes ces formations. Donc, je pense que... On va faire une affiche. Avant de publier cette vidéo, on va faire une affiche. Et mettre là tous les détails. Voilà, on va mettre tous les détails sur l'affiche. Exactement. Et mettre sur la vidéo. Exactement. Pour que tous les détails soient sur l'affiche. Exactement. Donc, je pense que c'est... Sur la description aussi, on va mettre beaucoup plus d'informations. Pour que ça soit sincère, quand on dit on veut aider, si ta formation coûte 500 $, ma formation coûte 500 $, on dit qu'on va vendre une formation 1000 $, on dit que vous ne voulez pas aider. Non. Mais si on dit qu'on va faire sacrifice de... L'une de ces prix-là, zéro. On va mettre le courant. Donc, si quelqu'un décide de suivre ma formation, je donne un exemple, quelqu'un qui décide de suivre ma formation de vague qui va commencer en juillet, il va payer, quoi qu'il arrive, il va payer ses 600 $. Parce que mes formations, c'est comme ça. C'est 1000 $ sur les vagues. C'est 600. Après, le vague de la formation, ce n'est plus 600, c'est 1000 $. Par contre, si on met les deux formations, ça ne va rien changer. La personne va toujours bénéficier de les deux formations, toujours en payant le même prix. Un seul prix. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est des choses que je voulais peut-être clarifier. Avec un bon accompagnement, parce que je vous dis, nos formations, c'est comment? C'est 3 mois. On commence le 15 juillet. On vous laisse 15 jours pour ramasser, embobiner les informations. Parce qu'on va vous envoyer une trentaine de modules. 30 modules. Que vous allez avoir sur votre boîte email. On vous laisse du 15 juillet au 30. Là, pour bien regarder. À partir du 1er maintenant août, à 2 mois, août, septembre, chaque semaine, il y a 2 sections en ligne avec les meilleurs formateurs en Afrique, y compris nous, dans le game. Et l'objectif, c'est de leur accompagner à devenir ça dit que fort que nous. En un mot, c'est comme il y a 2 méthodes pour la formation. C'est-à-dire que pour un début, c'est un nouveau programme. Pour un début, pendant 2 semaines,
Il y a 30 modules qui vous est envoyé directement. Là, vous suivez. C'est comme ce que tout le monde fait. Ils enregistrent des formations qu'ils vendent ainsi de suite. Non. Ils vendent sur des clés USB. Non, non. Ça, ce n'est que 2 semaines. Pour que tu puisses avoir les idées. Pour quand on est dans la salle de Zoom, tu puisses poser des questions. Ce qu'on dit, ça ne doit pas être du sarabia pour toi parce que tu as déjà les informations à la base. Parce que moi, une des choses également, parce que moi, je déteste ça. Les gens qui enregistrent des formations de 2021... On t'envoie et c'est fini. On t'envoie et c'est fini. Non, non, non. Là, c'est en direct avec la situation actuelle du marché. Exactement. C'est des Zooms en live. Exactement. Avec la situation actuelle du marché. Parce que l'objectif étant de préparer les gens à 2024. À 2024. Pour qu'au moins, dans l'équipe qu'on est formée là, il y a des centaines également... Qui vont devenir plus que nous. Qui vont devenir plus que nous. Exactement, c'est ça l'objectif. Merci beaucoup, Sec. Je pense que là, on a tout dit. Exactement. Les affiches, les informations, tout est donné. Moi, quand même, Sec, avant, je sais que le mot de la fin, je vais te laisser. Mais je tiens quand même à t'encourager pour que tu continues dans ta lancée. Merci beaucoup. Il y a des gens, ils ne comprennent pas ce que nous, on traverse. Dans la vie, les gens ont plusieurs types de problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, il y a des gens qui ont des problèmes de société, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui ont... Il y a plusieurs types de problèmes. Aujourd'hui, peut-être, nous, on n'a pas de problème d'argent, mais on fait face à beaucoup d'autres problèmes. Quand vous voyez, ça dit que les gens, ils ne voient pas les problèmes qu'on traverse au quotidien. Si vous voyez Sec ne pas publier une vidéo 2-3 jours, appelez-lui. Si vous ne voyez pas Justin publier 1-2 vidéos, appelez-nous. Exactement. Ou bien demandez-nous, parce qu'on traverse des choses qui sont... Parce que le problème d'argent, je vous souhaite, vous également, vous allez dépasser ce problème d'argent. Manger, dormir, boire, là, c'est quelque chose que vous allez dépasser. Mais vous allez faire face à d'autres problèmes. Aujourd'hui, quand moi, je vois que tu ne publies pas... Et d'ailleurs, la dernière fois, c'est que tu m'as appelé, tu dis que Justin, ça fait déjà une semaine que tu n'as pas publié des vidéos. Exactement. Il sait exactement, parce que ce sont des problèmes qu'on rencontre au quotidien. Exactement. La dépression... Les insultes, les menaces. Les menaces, on est menacé. Pourquoi? Parce qu'on a divulgué juste des informations. Ouais. Parce que certaines choses. Les gens ne veulent pas qu'on partage certaines informations. Des menaces, on reçoit des menaces. Des personnes. Et ça, ce sont des choses à un très haut niveau. Et souvent, quand on fait des vidéos, bonjour les amis, on est content, mais derrière. Il y a beaucoup de choses. Et c'est que je t'encourage à ne jamais, jamais, entre les haters. Entre ceux qui insultent, entre ceux qui menacent, entre ceux qui cherchent par tous les moyens à te déstabiliser, à faire écrouler tout ce qu'on fait, ils sont minimes par rapport à ceux qui nous soutiennent. Exactement. Donc, regarde tout simplement ceux qui nous soutiennent, ceux qui te soutiennent, ceux qui apportent leur soutien pour vraiment faire en sorte que l'œuvre aille de l'avant. Regarde ces personnes-là, ces personnes qui comptent sur toi, ces personnes qui voient ce que tu fais et ne baissent pas les bras. Tu es déjà la preuve, au début des années 2019, ainsi de suite, les gens ils t'insultaient parce que tu ne parlais pas français, tu ne pouvais jamais faire une phrase sans faire de faute. Aujourd'hui, ces personnes-là se sentent déçues parce que tu t'es beaucoup amélioré en français, tu es en train d'apprendre même d'autres langues, ainsi de suite. Exactement. Garde cette même lucidité-là et va de l'avant. Merci. C'est mon encouragement pour toi et je te laisse le mot de la fin. Merci, merci, vraiment, merci beaucoup, Justin, comme vous l'avez dit. On ne va jamais baisser les bras. Bien vrai qu'il y aura beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup de malcompréhension. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça aussi. Souvent, les gens qui sont au sommet, en pensant qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde, ils vont essayer d'abattre les autres qui veulent arriver parce qu'ils n'ont rien compris, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous, on a eu la chance de comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pourquoi on est ouvert. Donc, on va continuer à sensibiliser, on va continuer de partager le maximum d'informations avec nos frères africains parce qu'étant un jeune africain, on sait comment il est difficile de vivre dans certaines situations. Il y a quelqu'un qui avait dit que quand tu es né en Afrique, le monde ou la vie t'a déjà dominé ou mené 1-0. Si tu es né dans une famille pauvre, maintenant le monde t'a déjà mené 2-0. Donc, pour aider ce genre de personnes, il faut beaucoup de courage et d'efforts. Et on va continuer à le faire. Vous aussi, merci d'avoir fait ce déplacement, de venir nous interviewer ici. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et vous aussi, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la même chose qu'on est en train de faire. Donc, je pense qu'on mérite tous ces encouragements et bonne continuation. Et de dire merci à toute la communauté qui nous suit. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas bien dit ou reformulé, ce n'est pas...
ce qu'on voulait, parce que nous, notre objectif, c'est toujours de partager quelque chose de bien, hein, quelque chose qui peut aider, de positif en tout cas d'une manière générale. Donc n'hésitez surtout pas à nous donner vos points de vue sur les commentaires. Ce n'est pas pour nous flatter, mais ça nous permet d'apprendre. Moi, j'aime toujours les critiques même constructives, nous dire « Ah, c'est que si vous faites ça, si vous faites ça, exactement, c'est toujours un plaisir. Mm-hmm. » Merci à tous. Donc, merci beaucoup, Justin. Donc, on se donne rendez-vous prochain. Donc, à très, très bientôt. On vous donnera toutes les informations pour ceux qui veulent rejoindre la prochaine vague qui va commencer le 10 juillet et dont les inscriptions sont déjà ouvertes chez Vision d'Afrique. Et naturellement, on sera également ouvrir les inscriptions au niveau de Vivre et Réussir en Afrique. Exactement. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Merci. Ciao.